quitté ce monde. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant, une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené, et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié, armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Éden, et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider, si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Eh bien bonjour à tous les amis, et bienvenue pour l'épisode 25 sur Assassin's Creed 3. On continue notre aventure la dernière fois, on était resté ici. Pour la quête de jambes de bois, on a dit que c'était un peu tôt, n'est-ce pas? Donc je vous propose qu'on continue la quête principale. On va aller au point rapide ici. Et c'est parti. Vraiment, la téléportation automatique, j'ai envie de dire. Alors automatique, pas dans le sens où on n'a pas besoin de cliquer dessus, mais automatique dans le sens où on n'a pas besoin de payer. Je trouve que vraiment, c'est un plus, et c'est un plus qui est non négligeable, étant donné que la map est quand même beaucoup plus grande, et je ne sais pas si on a tout découvert encore, hein. Et je pense que non. On se refera aussi des missions de navires à un moment donné, parce que c'est cool, même si c'est parfois difficile. Référence au dernier épisode, mais voilà. Ah, Connor, quelle joie de te voir. Permets-moi de te présenter William Dawes et Robert Newman. Ta lettre disait que John Pitcairn était ici. Oui. Il mène une attaque contre Lexington, où Adams et Hancock se sont réfugiés. Ensuite, il marchera sur Concorde pour y détruire nos armes et nos vivres. Tu dois nous aider. Dis-moi où il est, et je mettrai un terme à son offensive. Il a des dizaines, sinon des centaines de soldats sous ses ordres. Tu ne pourras jamais le combattre seul. Mais ne crains rien, tu ne seras pas seul. Nous disposons de toute une armée. Elle n'attend que l'ordre de se mobiliser. Tu dois la convoquer sans tarder. Avec joie. Tous les deux, nous traverserons le Charles pour rassembler nos hommes. William, fais de même, en passant par les terres. Robert, tu dois te rendre à Christchurch. Allume le signal. Deux lanternes si notre ennemi vient par la mer. Pas question de traîner, mon ami. Des vies sont en jeu. Allons. Mettez-moi une armée contre moi, j'ai tué tous un par un en mode discrétion, pas de soucis. Ah. Ils n'ont laissé qu'un seul cheval. Nous allons chevaucher ensemble. Ah. Prends les rênes, je t'indiquerai le chemin. Vite, Connor, monte en selle. Je suppose que j'ai pas le choix. Je te guiderai vers ceux que nous devons alerter. Suis mes instructions et nous serons vite rendus. À gauche! Nous sommes sur la bonne route! D'accord, il y avait un bug. Oui, c'est ça, c'est le bon chemin! Bon, on va continuer tout droit, et puis dès qu'on voit une intersection, on verra. Alors, la mission optionnelle, c'est de ne pas déclencher de conflit ouvert.
va les laisser passer. Oui, le cheval, si tu pouvais éviter de hennir. Notre destin. Nous sommes sur la bonne route. Des tuniques rouges. Qu'est-ce qu'ils font ici? Gauche ou droite? Sûrement des éclaireurs. C'est ça, c'est le bon chemin. Sois prudent, Connor. Ils ne doivent pas avertir la troupe. Magnifique, c'est la bonne route. C'est par là? À gauche, Connor. Ok, donc par là? Oui, nous sommes exactement où il faut. Magnifique, c'est la bonne route. À gauche! À gauche, Connor! Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. À gauche, Connor! À gauche, Connor! Ah, c'est peut-être par là, du coup. À gauche! À gauche! Encore? Oui, nous sommes exactement où il faut. Tourne à gauche, ici. Nous sommes sur la bonne route. Nous y sommes. Mieux vaut continuer à pied. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Prévenez tout le monde. Les soldats marchent sur Lexington et Concorde. Les Anglais arrivent. Remontons en selle, Connor. Nous avons d'autres gens à prévenir. Eh bien, moi qui parlais de mission... discretos, eh ben c'est le cas. Hein. Oui, nous sommes exactement où il faut. Magnifique, c'est la bonne route. Par là. Continue. Magnifique, c'est la bonne route. Nous sommes sur la bonne route. Ok. Oui, c'est ça, c'est le bon chemin. Tourne à gauche. What? J'ai rien appuyé. Va à droite, Connor. Tu m'excuseras. Reste à l'affût des tuniques rouges. J'ai pas envie qu'ils me voient, les amis. Hein. Voilà. À gauche. Oui, bon, bah ça, j'avais compris. Hein. Tourne à gauche, ici. Tourne à gauche, ici. Je peux pas vraiment tourner à gauche, ici. Tourne à gauche, ici. Oh, il me saoule. Vous pensez qu'on peut passer? Ah, il a pas l'air de... Tourne à gauche. Ah, c'est quand j'appuie enfoncé, mince. Ouais, mais comment je fais pour traverser? À gauche, Connor. Oui, je sais. J'ai entendu ce bruit. Ce sont des soldats. Ah, sois prudent. Là-bas. Ok, donc c'est bien là-bas. Il y a un tronc. Alors peut-être qu'on pourra passer par le tronc, non? Oh, et t'abuses. Hein. Nous avons dû nous égarer. Non, c'est pas égaré. Il y a un chemin juste ici. Alors, attendez. Bon, le cheval, tu m'aides pas là. Saute. Merci. Je vais le tuer. Ce cheval, je vais le tuer. Descends. Saute. Nous avons dû nous égarer. Oh, purée. Ah, la maniabilité des chevaux dans Assassin's Creed, c'est un truc de fou. Mais non, c'est pas égaré. T'inquiète. On va juste passer par ce pont. Et tout ira bien. Regardez. Reste à l'affût des tuniques rouges. Quoi, y a des tuniques rouges dans le coin? Là, va falloir passer à gauche. Là, on va passer à droite. Tourne à gauche, ici. Je t'ai rien demandé, hein.
Ok. Oui, nous sommes exactement où il faut. Eh ben, ravi de l'apprendre. Oui, c'est ça, c'est le bon chemin. Ah, c'est par là. Sur ta droite, Connor, sur ta droite. Va à droite, Connor. C'est là, non? Il serait préférable d'approcher ces maisons à pied. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Reste à l'affût des tuniques rouges. Faites passer le mot. Les soldats du roi arrivent. Tout de suite. Ok, on est reparti. Continue. Par là, Connor. Tourne à droite. À gauche. Nous sommes sur la bonne route. Vas-y, crie plus fort surtout. Oh putain de... Ta gueule, le cheval. Désolé. Sur ta droite, Connor, sur ta droite. Tais-toi. On est en mission de discrétion, là. Allez, fonce. Il serait préférable d'approcher ces maisons à pied. Sérieux? C'est juste là, mais on y a été tout à l'heure, en plus. Là ? Ah non, c'est pas là. Alors attendez. Non mais descends, sois pas idiot, descends. C'est là. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Les tuniques rouges sont... Là! Nous sommes là! Attrapez-les! Je dois nous débarrasser d'eux, Connor. Tâche de nous débarrasser d'eux, Connor. Plus vite! Il faut les distancer sans tarder. Oui, bah, je peux pas aller plus vite que ça, hein. Tâche de nous débarrasser d'eux, Connor. Plus vite! Il faut les distancer sans tarder. Il s'en est vraiment fallu de peu. Essayons d'éviter d'autres mauvaises surprises. D'accord, mais je dois aller où, du coup? Il serait préférable d'approcher ces maisons à pied. J'ai l'impression que c'est là-haut. C'est cela! Nous sommes au bon endroit. Mais où diable est-il passé? Es-tu sûr que nous sommes au bon endroit? Sûr et certain. Prescott? Bonsoir, messieurs.
Écoute, les tuniques rouges arrivent, tu dois rallier tes hommes. Et... va vite t'habiller. Tout de suite. Bon. Bonne chose de faite. Et je crois que pour l'instant on fait un perfect, hein. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant on fait un perfect. Après vous connaissez mon karma, hein. Quand je réussis parfaitement quelque chose, la chose d'après, je le foire. Bienvenue à Lexington, Connor. Il ne reste plus qu'à trouver Hancock et Adams. Aucune trace de Doz. J'espère qu'il va bien. Paul, Connor. Content de vous voir. Vous devez partir. Les tuniques rouges arrivent. Oui, William nous l'a appris. Qu'ils mènent leur perquisition. Ils ne trouveront rien. Tu ne comprends pas. Pitcairn a l'intention de te tuer. Je crains que ce ne soit vrai. Nous n'avons d'autre choix que de partir. Mettez-vous droit. Doz et moi allons poursuivre vers Concorde. Connor, mieux vaut que tu restes ici pour aider John Parker à défendre la ville. Cela nous laissera le temps de faire passer le mot. Défendre la ville ? Le combat arrive ! La chevauchée de minuit. Regardez, regardez. Ah, c'est magnifique ! C'est magnifique. Eh ben, ça fera des missions au moins à refaire. Cool. Voyons voir un peu. Ça, on l'a libéré, ce fort-là, on est d'accord. Hein. Après, regardez, il y a toute cette zone encore à découvrir, j'ai l'impression. On est à frontière. Il n'y a que 3 points découverts, et il y en a d'autres, à mon avis, un peu plus loin. Il y a tout ça, j'ai l'impression, à découvrir. Hein. Ai-je l'impression... du coup, faut que j'aille à frontière. Bon, ouais, mais est-ce que j'aurai le temps d'aller jusqu'à là-bas? Ah, vu le temps imparti, les amis, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire une mission principale. Donc, on va faire les plumes et autre chose dans le coin. Bon, en tout cas, c'est plutôt... Ah, petit problème, excusez-moi. On est à 17... Oula, et qu'est-ce qui se passe? Attendez 2 secondes. Voilà, j'ai juste noté qu'il y a eu un retour écran, je sais pas pourquoi. Mais c'est un peu chiant, parce que sur ce jeu-là, il faudrait que je le fasse pour les autres Assassin's Creed, mais sur ce jeu-là, comme sur PC Building, je me mets en mode capture d'écran. Sur Little Nightmares, je me suis mis en mode capture de jeu, donc ça va. Mais là, du coup, quand j'ai un retour Windows, vous voyez normalement mon bureau. Chose que j'ai pas envie, donc je suis obligé de faire un petit montage pour mettre l'écran en noir pour pas que vous voyez des logiciels que j'utilise. Non pas que j'ai quelque chose à cacher, mais bon, je vois pas trop de toute façon l'utilité devant mon bureau. Ok, la plume est en haut. Alors, je suppose que je peux pas monter directement par là, donc il faut que je monte par là, c'est ça? Ok, et comment je suis censé aller là? Peut-être par là, du coup. Voyons voir. Ça, c'est fait. Ensuite...
le petit coffre ici. Ah, je peux pas les tuer. Dommage. Vraiment pas les tuer. Apparemment non. Bon. Tant pis. Quoi ? Elle est pas morte ? Oh, l'escroquerie ! Bon, c'est pas tellement grave en soi. Fort Saint-Mathieu découvert. Ah, il y a un fort. Eh ben, vous voyez, on est trop fort. On a trouvé un fort. On va pouvoir faire ce fort, ça va être cool. J'aime bien faire les forts. Ah, bah oui, bah du coup, c'est ça l'indication de, du coffre. Ok. Alors, comment vais-je faire pour entrer discretos? Je pense que il n'y a pas vraiment le choix. La sonnette est tirée, mais... Tout devrait bien se passer. Ah, on peut pas rentrer par là? Oh, l'escroquerie! En fait, j'aurais dû tout simplement contourner. Oh, attendez. Ah, bah, il n'y a plus de signal d'alarme. Ok, cool. Bah, alors... Ah, non! C'est parce qu'en fait, ils ont sonné et ça s'est fermé, d'accord. Alors, attendez. Oh, attendez, il y a quelqu'un là-bas. Ah, celui-là j'ai loupé par contre. Mais... Ah, quand même. Allez, venez. Bon, allez, on y va en mode brutal, et puis voilà. Bonjour! Loupé!
D'autres volontaires? Non? C'est bon? Bon, bah c'est bon. Ah là là, je vous jure. Bon, ça va, je trouve que quand même, je m'en suis plutôt pas mal sorti, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Ok. Ça va faire boum! Ça, c'est fait. Parce qu'ici, c'est pas les Anglais, c'est l'Amérique. Ok, eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed 3. Des bisous à tous. Ok, d'accord. Et ciao. Enfin bref, je tuerai la prochaine fois. Bref, ciao les amis.